Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Nous sommes avec Daniel Zaïdani, avec lui on va évoquer plusieurs sujets, au moins deux, cette radicalisation, ce qui s'est passé à Paris, les conséquences s'il doit y en avoir à Mayotte, et notamment pour nos policiers maorais et donc a priori musulmans, et on parlera également de l'arrivée du président de la République Emmanuel Macron. Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi l'actualité. Forcément, il y a une forme d'inquiétude ici à Mayotte pour... on parle des policiers parce que l'actualité, elle est sur les policiers qui ont été tués par un policier radicalisé. Mais la question, c'est est-ce que nos fonctionnaires, d'une manière générale, ne sont pas pointés du doigt à partir du moment où ils sont musulmans et notamment à Mayotte ? D'abord, je tiens à présenter toutes mes condoléances à la famille des policiers qui ont disparu la semaine dernière. D'ailleurs, une cérémonie aura lieu aujourd'hui, un hommage à leur nom. Et je me joins pleinement à cette cérémonie, même si je ne serai pas parmi eux. Il est clair que les attentats qu'il y a en France depuis maintenant, on va dire 5 ans, depuis 2015, avait pour objectif premier de diviser les Français. Et cet objectif tend vraiment à se concrétiser, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la religion musulmane est mise souvent en cause, et avec la radicalisation en son sein, est souvent mise en cause et à l'origine d'attentats ou d'actes meurtriers comme la semaine dernière. Nous savons également... Bon, parce que les médias nous en ont parlé, que effectivement l'assaillant avait des problèmes personnels, apparemment relationnels également, des difficultés d'insertion dans son groupe, parce que bon, voilà. Mais il est apparu. Ans, hein. Oui, il était depuis 18 ans, mais vous savez. Le malaise, on sait que au sein des forces de l'ordre existe, puisqu'il y a quand même eu plusieurs suicides ces derniers mois, depuis le début de l'année. Une cinquantaine, oui. Voilà. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de malaise. Le malaise existe. Maintenant, c'est vrai que il apparaît dans ce cas spécifique qu'il y aurait eu des signes de radicalisation. Mais par rapport à cela, c'est vrai que vous soulevez un point important, c'est-à-dire doit-on amalgamer tout le monde ? Doit-on mettre sur le même plan tout le monde ? Moi, je crois que fondamentalement, la position religieuse de tout à chacun, elle est d'abord personnelle. Personne aujourd'hui ne peut imaginer que lorsque nous allons nous présenter à un emploi, dans un questionnaire, à la fin se trouve la case de quelle religion êtes-vous ? Or, aujourd'hui, par rapport aux événements, on a l'impression que c'est peut-être vers cela qu'on tenderait, et j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, parce qu'il ne faudrait pas faire de distinction entre leurs dans des professions sensibles, notamment sur la religion. Daniel Zaïdani, une question toute simple. On en a parlé tout à l'heure sur la terrasse. Quand on est musulman, quelle est la priorité ? Sa religion ou son métier ? Bon, la religion, c'est quelque chose de personnel, comme je le disais tout à l'heure. Et la religion, on ne doit pas non plus l'imposer aux autres. À Mayotte, par exemple, ou même dans l'océan Indien, que ce soit à La Réunion ou à Madagascar, lorsque vous regardez, la religion musulmane est relativement bien implantée dans nos îles de l'océan Indien. Elle coexiste sans aucune difficulté avec d'autres religions. Et moi, je pense que l'État serait bien inspiré de venir prendre exemple sur ce qui se passe à Mayotte ou à La Réunion, ou voire même à Madagascar. Parce qu'au final, il n'y a pas d'opposition entre les religions, et nous vivons dans notre société sans aucune difficulté en étant musulmans. C'est clair. Mais pour autant, en métropole, je n'ai pas l'impression que les choses se passent de la même manière. Il est vrai aussi que je crois que la vraie question qui se pose lorsqu'on a envie, on a tendance à parler de radicalisation, c'est que l'État aujourd'hui, je trouve qu'elle n'a pas la maîtrise
de la religion sur le territoire. Par exemple, à Mayotte, nous connaissons parfaitement qui sont nos maîtres coraniques, quel type d'enseignement ils pratiquent, etc. Mais en métropole, j'ai le sentiment, par contre, que la religion musulmane, elle est très variée. L'apprentissage n'est pas cadré ou déterminé. Et de la même manière, je crois qu'il faut aussi savoir lever des tabous. Quand je dis lever des tabous, je pense notamment à l'accompagnement des organismes musulmans sur le territoire national. Je pense que Sarkozy avait soulevé à une époque la question notamment de l'islam dans la République, des imams, de la formation des imams, et éventuellement aussi de l'implantation des mosquées dans les quartiers et autres. Vouloir aujourd'hui dire que l'État ne doit pas notamment financer les mosquées, etc., etc., je pense profondément que c'est une erreur. Parce que, quelque part, on laisse la mainmise à d'autres financeurs de s'implanter, de former et de mettre à disposition finalement des personnes qui ne conçoivent pas la chose de la même manière. Vous savez, lorsque j'étais président du conseil départemental, lors de mes missions que j'avais en métropole en 2013, en 2014, la communauté mahoraise installée notamment à Marseille avait pris contact avec moi en me demandant d'envoyer à Marseille les caddis de Mayotte pour parler à leurs enfants, les jeunes maoris qui se trouvent en France, pour les aider spirituellement et de les faire comprendre que partir en Syrie n'était pas la solution. Mais si quand même la communauté mahoraise installée en France m'avait sensibilisé, m'avait sollicité sur cette demande, c'est parce que sur le fond, ils étaient conscients qu'en métropole, il y a des courants qui poussent aussi des jeunes vers la radicalisation. D'accord, Daniel Zeyani. Donc, donc je n'ai pas hésité à envoyer des caddies. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, encore une fois, nous avons la chance au sein de la République française d'avoir des exemples réussis d'intégration de la religion musulmane dans notre société, que ce soit à Mayotte ou à La Réunion. Combien de fois avez-vous vu des politiques nationaux prendre exemple sur ce qui se fait à Mayotte ou à La Réunion? On ne tient pas compte de cette réalité d'harmonie que nous avons réussi à instaurer sur nos territoires ultramarins. Alors, c'est pour cette raison que je dis que les élus nationaux seraient bien inspirés de venir regarder ce qui se passe, mais ne pas forcément appliquer toutes les décisions auxquelles ils sont soumis sur le plan national, y compris à Mayotte, parce que c'est-à-dire quoi, qu'il faut personne des spécificités à Mayotte. Je pense que personne à Mayotte ne comprendrait qu'on mène des enquêtes poussées sur le simple fait qu'il soit musulman. Moi, le premier, je travaille dans un établissement public qui a une mission publique. Je ne comprendrais pas que mon employeur me dise « Daniel Zeidani, nous allons vous confier une mission spécifique au sein de notre organisme. Pourriez-vous nous décliner préalablement votre religion ?» Bien sûr, on comprend Daniel Zeidani, mais en même temps, quand on regarde les faits, là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est radicalisé, qui est policier, qui travaillait au service informatique avec une accréditation confidentielle défense. Imaginez avec ce qui s'est passé là, demain vous êtes policier ici à Mayotte, vous avez les diplômes qu'il faut, vous voulez faire votre carrière dans les renseignements généraux ou à la DGSI, etc. Vous êtes musulman, on va regarder de travers ou on va regarder différemment avec ce qui s'est passé. Non, je pense qu'il ne faut pas non plus fermer les yeux. Oui. Lorsque nous avons des signes avérés de radicalisation, il est justifié... Mais c'est quoi les signes ? Justement, il est justifié de mener des enquêtes. Mais maintenant, je pense que par rapport au cas spécifique de la semaine dernière, il y a nécessité de faire une transparence absolue sur ce qu'on dit signe de radicalisation. Parce que lorsqu'on me dit qu'une personne met un boubou pour aller à la mosquée, c'est un signe de radicalisation, je ne l'accepte pas. Et cela a été dit dans les médias. Lorsque l'on dit qu'on a une opinion, pas forcément politiquement correct par rapport aux attentats, je pense véritablement qu'individuellement, chacun est en droit de s'interroger sur ce qui s'est passé dans ces attentats. Effectivement, vous savez très bien que l'attentat de Charlie Hebdo
a créé beaucoup estimé qu'ils sont allés trop loin dans la caricature. Mmh. Bon, maintenant, je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire tuer toutes ces personnes qui sont allées dans ce sens-là. Que c'est mais... ce qu'a dit Monsieur Harpon là. Il a dit bien fait. Non, je ne sais pas précisément ce qui a été dit dans cette discussion, mais je dis simplement que nous avons tous été au lycée, nous avons tous fait de la philosophie, nous avons appris à avoir un esprit critique par rapport aux faits. Aujourd'hui, il faudrait pas nous dire que nous ne devons pas avoir d'opinion critique par rapport à une version officielle. Voilà ce que je dis. Maintenant, je pense que lorsqu'il y a des signes de radicalisation, il faudrait qu'on puisse nous dire qu'est-ce qu'un signe de radicalisation, mais mettre un boubou pour aller à la mosquée serrer la main à une collègue parce que... vous savez pertinemment, par exemple, que dans la religion musulmane, par exemple, lorsque vous avez le houdou et que vous voulez le garder, ben vous devez pas serrer la main à une femme. C'est une réalité. Et ça marche dans un sens comme dans l'autre. Comme il y a des femmes qui ne serrent pas la main aux hommes. Moi, je prends la barge tous les jours. Il y a des femmes qui ne veulent pas me donner la main. Je parle pas de bise, hein, me donner la main. Mais pour autant, ce ne sont pas des radicalisés pour autant. C'est pour cela que je dis que il faut vraiment prendre le temps d'abord de, parce que si on dit que la radicalisation... Donc, les policiers ont tort de s'inquiéter. Non, c'est pas ça. Je dis que si on dit que la radicalisation, c'est des signes extérieurs d'une religion, je ne suis pas d'accord. La radicalisation, pour moi, c'est vraiment dans les faits et dans les actes, c'est-à-dire remettre en question totalement notre société, c'est-à-dire de ne plus être d'accord avec le mode de fonctionnement de notre société. Avant d'en arriver là, il y a d'autres étapes. C'est-à-dire avoir vocation, avoir une volonté de partir en Syrie pour faire le djihad, etc. Ça, c'est de la radicalisation, etc. Il n'y a pas les étapes avant. Mais les étapes, pour moi, les étapes avant, encore une fois, j'estime qu'il faut, si on dit qu'il y a des signes de radicalisation et que cela nécessite une surveillance approfondie, il faut préalablement qu'on nous explique clairement quels sont les signes de radicalisation. Parce que, encore une fois, lorsque je vais à la mosquée ou lorsque je vais à un majlis et que je m'habille comme un arabe avec mon joho ou mon mufti, faut pas qu'on vienne me dire que Daniel Zeidani, il doit être fiché S et qu'il est radicalisé. Voilà, c'est ça que je dis. Il faut faire attention aux amalgames, il faut faire attention à nos sociétés. Et ce qui peut-être être une solution en métropole parce qu'il y a véritablement des problèmes dans le suivi de l'enseignement religieux, faut pas croire que ces mêmes méthodologies doivent être forcément appliquées à Mayotte. Mmh. Camar, une question. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans cette psychose américaine? On sait tous qu'après le 11 septembre, tous les Américains lient directement à chaque attentat avec un musulman. C'est-à-dire, même s'il est radicalisé, mais on voit d'abord les musulmans. Donc, j'en reviens un peu sur la question de Patrick en disant, nos policiers aujourd'hui, est-ce que même eux, au plus profond, ne se sentent pas coupable de dire mon collègue qui n'est pas musulman va me regarder de travers parce que je suis d'abord musulman? Ben, je vais vous dire, vous savez, la semaine dernière, lorsque j'ai appris l'attaque qui a eu à la préfecture, la première question que je me suis dit, ben, j'espère que c'est pas un noir, j'espère que c'est pas un noir, et j'espère surtout qu'il n'est pas musulman. Bon, les deux cas, c'est perdu. Voilà, et il s'est avéré que c'est un Martiniquais qui s'est converti. Bon, aujourd'hui, il apparaît que souvent, lorsqu'il y a des attentats en métropole, c'est souvent que la personne est originaire ou quoi a pour religion la religion musulmane. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les musulmans sont terroristes potentiels et que lorsqu'on met un boubou ou lorsqu'on donne pas la main, il faut s'en inquiéter. Voilà. Mais maintenant, il faut que les décideurs... Mais ça jette le trouble quand même sur tous les autres. Ça jette le trouble. Mais il faut que les décideurs aient la lucidité de prendre les décisions appropriées. Et moi, j'insiste. Lorsque la religion musulmane, vous ne la prenez pas dans les bonnes conditions, il est possible qu'effectivement, on ait une vision biaisée de la religion musulmane. Mais moi, je considère qu'on ne devrait pas négliger les problèmes psychologiques de cet individu. Parce que s'il n'était pas de religion musulmane, ce qu'il resterait dans ce dossier, c'est d'abord qu'il ne s'entendait pas avec sa collègue, qu'il était sourd et qu'on l'appelait souvent Bernardo, comme dans Zorro, et que finalement, il n'était pas si bien que ça dans son service. Maintenant, nous savons que le malaise
dans les forces de l'ordre existe, puisqu'il y a des suicides. Mmh. Cela peut venir effectivement des événements extérieurs, l'environnement, mais ça peut aussi venir de l'environnement intérieur. Et je crois véritablement qu'on ne doit pas exclure l'enquête de ce côté-là, parce que je pense qu'il y a aussi des signes qui montrent que cet individu n'était pas bien, il était fragilisé et peut-être il était plus sensible à des discours extérieurs. Mmh. Mais dans tous les cas, je rappelle que la semaine dernière encore, 24 heures avant cette attaque, les forces de l'ordre étaient dans la rue en train de manifester et en train d'expliquer un malaise en leur sein. Donc n'évacuons pas totalement cet aspect des choses parce que je pense qu'elle est aussi à l'origine de ce qui s'est passé la semaine dernière. Daniel Zeidani, dans quelques jours maintenant, il y a Emmanuel Macron qui va arriver ici à Mayotte avec une centaine de personnes, des chefs d'entreprise, des ministres, des élus de tous bords. Vous allez prendre part à ce VO d'une manière ou d'une autre ? Bon, vous savez, la venue d'un président de la République sur un territoire est un événement important. Bien sûr. J'ai eu la chance, en qualité de président du conseil départemental, d'accueillir François Hollande en tant que président sur le territoire de Mayotte. Et cet événement, faut savoir que c'est un événement qui se prépare longtemps avant. Il ne faudrait pas aujourd'hui faire croire à la population locale que c'est à la dernière minute qu'on a su la date précise. Son parcours, ces événements sont paramétrés, sont calculés, des échanges avec son cabinet, notamment le conseiller d'outre-mer est sûrement venu à plusieurs reprises sur le territoire, ou en tout cas des collaborateurs, des forces de l'ordre nationaux sont venus sur le territoire afin de s'assurer que le trajet, etc., se ferait dans des bonnes conditions. Donc aujourd'hui, je pense que le président du conseil départemental, les parlementaires qui sont notamment apparentés LREM sont associés à cela, le préfet sont associés, et j'espère que nos élus, nos décideurs qui sont associés à cela vont relater nos difficultés, les points les plus cruciaux, les plus importants. C'est ça qui vous inquiète, pour... c'est qu'en fait les difficultés et les problèmes des Mahorais ne sont pas remontés au président ? Ben, j'ai peur que le président ait un discours creux qui n'aborde pas frontalement les difficultés et n'apporte pas de solution. Faut savoir quand même que le président de la République est aujourd'hui à mi-mandat. C'est plus un jeune président qui vient d'être élu comme on aimait le faire auprès du conseil départemental. Il vient d'être élu, donc il faut pas poser les questions qui fâchent. Et pareil, le président de la République, maintenant, il est à mi-mandat. Donc on devrait quand même, à ce jour, voir des effets de ça politique. Bon, on va peut-être nous parler du contrat de convergence, c'est peut-être possible. Peut-être nous parler de la piste longue, mais ce n'est pas tout. Crois que profondément, il y a un malaise sur le territoire de Mayotte. La population mahoraise est inquiète. Elle s'inquiète de voir cette recentralisation qui est opérée par les services de l'État. Nous avons vu avec la complicité des maires la disparition du SMIAM, tant bien même que la présidente est toujours rémunérée jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu la perte de contrôle par le conseiller départemental et les maires de la CIM. Nous avons vu également ce refus de l'État à accorder l'autorité de gestion au conseil départemental, alors que jusqu'à maintenant, ce qui fait preuve de négligence, c'est les services de l'État. Nous avons vu également l'apparition, la volonté de voir le port de Mayotte contrôlé par CMA-CGM. Nous constatons que Vinci veut s'implanter en plus de la colasse au niveau du BTP, avec les carrières, avec l'eau. Nous entendons que le SMIAM également perdrait le contrôle sur les constructions à venir, etc. Donc moi, le contrat de convergence, je m'interroge. Je veux dire, le contrat de convergence, c'est converger toutes les finances vers les services de l'État avec la bénédiction de nos élus. Non, ce n'est pas cela. Aujourd'hui, nous avons besoin de rassurer la population, parce que si les élus mahorais doivent garder le contrôle sur toutes ces institutions, c'est pour créer de l'emploi à nos artisans, favoriser l'emploi locaux, et c'est pas ce qui semble être aujourd'hui. Moi, je veux que le président parle également des séismes, des solutions. Quand est-ce qu'on aura la reconnaissance de la catastrophe naturelle qui permettra enfin aux Mahorais
de faire jouer leur assurance et de réparer leurs maisons qui sont détruites. 6000 séismes en un an, 6000, plus de 2000 séismes à plus de 3,5. C'est phénoménal, c'est inédit. Mmh. Et pour autant, la catastrophe naturelle n'est toujours pas reconnue sur ce territoire. Le président a beaucoup à dire, a beaucoup à faire à Mayotte. Nous attendons beaucoup de sa visite et j'espère que les décideurs qui sont auprès du président, qui font la politique du président, s'assureront que le discours sera au rendez-vous. Merci. Et l'action également. Merci Daniel Zanini. Mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas prêt de le rencontrer. Hein, ben, vous savez, moi, ça fait 5 ans qu'on fait tout pour que je ne décide de rien dans ce territoire. Ouais. Et on voit l'orientation qui est donnée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, et je préfère le dire très clairement, je souhaite véritablement qu'on change la totalité des maires de Mayotte l'année prochaine. Ça, c'est fait. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.